Bonjour, donc je suis le professeur Jean-Marc Lasse, chirurgien à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, hein, professeur en cancérologie et président de la Société française de chirurgie oncologique. La présentation que je vais faire correspond à la prise en charge chirurgicale des cancers de l'ovaire et aux avancées qui vont définir l'avenir de la prise en charge. Il faut surtout insister sur quelques notions. La notion de chirurgie absolument complète, comme c'est une maladie qui atteint plusieurs organes, il faut que le chirurgien ait une formation multiviscérale. La deuxième question, c'est la stratégie en RCP, en réunion de concertation pluridisciplinaire. Le débat est entre la chirurgie première, quand elle est faisable, et la chirurgie d'intervalle. Et puis, il y a une désescalade à travers des essais qui sont soit publiés, soit qui vont être publiés, qui vont déterminer les choses. La première chose, c'est la chirurgie d'intervalle, l'essai TRUST, qui devrait être publié l'année prochaine, va répondre à la question de la prise en charge en chirurgie première ou d'intervalle pour les malades qui sont opérables d'emblée. L'essai chrono, qui est porté par le groupe Arcagie Gynéco, va répondre à la question du nombre de cures avant la chirurgie quand on commence par une chimiothérapie néoadjuvante. Est-ce qu'il faut opérer à 3 cures ou est-ce que finalement, pour ces malades chimiosensibles, ce n'est pas mieux d'attendre 6 cures? La chirurgie, au moment de la récidive, il a été démontré dans l'essai Destop 3, publié récemment, qu'il fallait opérer les patientes qui présentent une première récidive tardive de cancer de l'ovaire en chirurgie première et surtout complète. Et enfin, un mot sur la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale. La CHIP est efficace en amélioration de la survie globale quand on propose ce traitement en intervalle pour les patientes qui ont une prise en charge première. Et l'essai OVIPEC et l'essai CHIPOR, qui a été présenté à l'ASCO l'année dernière, répond à la question de la CHIP, cette fois-ci au moment de la récidive. Et l'essai CHIPOR a montré qu'il y avait un bénéfice à réaliser la CHIP au moment de la récidive. En termes de désescalade, il faut aussi insister sur la notion des ganglions. Et là, c'est extrêmement intéressant. Toutes les patientes qui ont un cancer de l'ovaire avancé, dans pratiquement 80% des cas, ont un envahissement ganglionnaire. Et pourtant, ce n'est pas intéressant en termes de survie de leur proposer un curage, dès lors qu'elles n'ont pas de gros ganglions visibles au scanner ou palpables à la chirurgie. L'essai Lyon, publié dans New England récemment, a démontré qu'il n'y avait pas d'impact à faire un curage en chirurgie première. Et l'essai Caraco, qui va être présenté à l'ASCO cette année, pose la même question, mais cette fois-ci en chirurgie après chimiothérapie néoadjuvante. Les résultats sont bloqués jusqu'à l'ASCO, c'est-à-dire qu'il faut avoir la patience d'attendre jusqu'au 1er juin.